Décidément, Anne Voûtet a le goût du clin d'œil. La banlieue dystopique sur laquelle s'ouvre la pièce a des relents tenaces de l'East End industriel et populeux qu'a connu Pinter, mais aussi d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ici, on est écossais, irlandais, noir, indien, anglais, mais enfin, c'est chacun pour sa peau. C'est pourquoi, lorsque Aston, donc votre personnage, recueille Davis, un vieux clochard aviné et puant, pardon, et lui propose de l'embaucher comme gardien chez lui, le doute s'insinue dans la pièce, s'installe et peu à peu contamine toute l'intrigue. Je vais vous dire, je prendrais bien un peu de ce tabac pour ma pipe si ça vous va, hein. Bien sûr, allez-y. Ouais, c'est bien aimable, hein, monsieur. Servez-vous. Ouais, j'avais une boîte, il n'y a pas longtemps. J'avais une boîte, on me l'a piqué sur Great West. Je vous remercie bien, monsieur. Ah ça, regarde. Eh, j'aurais pas une glace des fois, non? Je crois pas. Ah, bah écoutez, là, comment vous trouvez-vous? Ça paraît bien, oui. Ah ouais? Ah ouais, bah je veux pas dire non à ce truc-là. Vous pourriez être gardien ici, si vous voulez. Ah, comment ça? Vous pouvez vous occuper de la maison, si ça vous dit. Car Aston, l'hôte au premier abord si prévenant, a omis de mentionner la présence de Mick, un vagabond mal peigné à la langue affûtée, son frère, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Qu'allez-vous suggérer d'abaisser votre loyer et de le ramener à une somme symbolique? Maintenant, si vous vous montrez vraiment agressif, je vais devoir reconsidérer ma question. Vous n'avez pas dans l'idée d'exercer des violences contre moi, j'espère. Vous n'êtes pas du genre violent. J'espère. Je ne suis pas du genre à la ramener. Et si on cherche, on trouve. Je veux bien vous croire. Vous pouvez virouler ma bosse. Le triangle est ainsi instauré, figure idéale pour que se nouent toutes sortes de tensions, de non-dits et de rapports de force inversés. Il y a toujours cette fuite. Oui, ça vient du toit. Du toit, hein? Oui, je vais colmater ça au goudron. Tu vas colmater ça au goudron? Oui. Tu vas colmater quoi? Les fissures. Tu vas colmater les fissures du toit au goudron? Oui. Et tu crois que ça va marcher? Ben, ça va marcher pendant un moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites quand il est plein? On le vide. Chacun garde jalousement son vilain petit secret, relique d'un passé ou d'un dehors inatteignable dans ce huis clos étouffant. Manipulation, sadisme narquois, mensonge, cette Comedy of Minutes de Pinter est servie par des jeux d'acteurs tout en finesse et par une mise en scène originale d'une grande intelligence.